Attention, 2020 ne sera pas forcément de tout repos. Heureusement, votre intuition va vous sauver. Saturne, Pluton et Jupiter ne vont pas vous faciliter la vie. Les oppositions risquent de s'accumuler. Alors, montrez-vous plus intelligent que la moyenne et n'attaquez surtout pas de façon trop frontale. Chez vous, il y a risque de turbulence. Heureusement, Neptune, en signe ami, va vous aider à y voir plus clair. Écoutez votre intuition et vous allez éviter les ennuis. Uranus va vous donner des envies de changement. Ça, c'est surtout pour les deux premiers décans. La nouveauté vous fera vraiment de l'œil. Sur le plan professionnel, inutile de partir sur les chapeaux de roue. Regardez juste où vous mettez les pieds. Tout sera possible, même des nouvelles quelquefois un peu perturbantes. Si les obstacles s'accumulent, arrêtez de vous énerver. Prenez de la hauteur. Des accords, discussions pourraient s'enchaîner. Alors, adaptez-vous et anticipez. Mais si vous faites ça, vous allez réussir à retomber sur vos pieds. Sur le plan financier, gardez le contrôle. Le trio planétaire, Jupiter, Saturne, Pluton, risque de vous chauffer les nerfs. Les dépenses pourraient s'accumuler, c'est vrai, et tout compliqué. Alors ne prenez pas de risques inutiles. Saturne va vous aider à tenir les cordons de votre bourse avec un peu plus de vigilance. Alors essayez d'être économe et vous allez vous sentir mieux. Sur le plan amoureux, si vous êtes en couple, vous allez vous interroger en vous posant les bonnes questions pour revoir la suite de votre histoire. Il est temps de communiquer en profondeur avec votre conjoint. Qu'attendez-vous vraiment? Que déciderez-vous cette année? Quels sont vos désirs aujourd'hui? Autant de questions que de réflexions sur demain. Si vous êtes célibataire, Saturne, Pluton, Jupiter vous freineront. Mais Uranus risque de vous donner des envies de changement. Que voulez-vous vraiment? Prendre le temps de respirer en solo ou vous projeter à deux? Le mieux serait de vous donner le temps de la réflexion, sans rien anticiper, sans rien précipiter. Côté forme, plusieurs planètes risquent de perturber votre équilibre et à partir du 29 juin, Mars dissonant ne va pas vous faciliter la vie. Le stress vous guette et avec lui, la fatigue, les perturbations émotionnelles. Heureusement, Uranus va vous envoyer ses meilleures ondes pour vous aider à réagir et à reprendre les choses en main. Alors, si vous voulez vraiment garder le sourire, stop! Ne vous laissez plus aller dans le tourbillon du stress. Profitez de l'été pour ralentir le rythme. Prenez soin de vous. Ce sera juste ça, le secret de votre bonheur. Belle année à vous !